Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC Chasseurs de Camping-Car. Je vous présente aujourd'hui à la vente un magnifique fond Vendôme Leader Van Duo sur un porteur Fiat Ducato 140 chevaux en boîte automatique 9 rapports. Donc on va faire ensemble le tour du véhicule. Il est vraiment en excellent état, il n'y a pas une seule rayure à l'extérieur. Donc voilà la jolie face avant. Allez, on fait le tour de l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, des belles jantes aluminium en 16 pouces. Les 16 pouces vous permettent d'avoir une garde au sol un petit peu plus haute. Donc si vous allez dans des endroits un petit peu escarpés, vous serez bien plus à l'aise avec un modèle équipé comme celui-ci avec des jantes alu en 16. Ici, nous pouvons apercevoir le marchepied électrique qui est très large, comme vous pouvez le voir. L'ancien propriétaire a également équipé ce véhicule d'anti-vol. On a ça sur la porte latérale et également sur la porte arrière. Au-dessus, on peut apercevoir un store tulle noir mat. Donc tulle, pour ceux qui connaissent, on est sur un équipement haut de gamme. Le store a très très peu servi. À l'arrière, nous pouvons apercevoir le porte-vélo. Donc pareil, ce porte-vélo a vraiment très peu servi aussi. On va d'ailleurs ouvrir les portes arrière. Donc le Leader Van Duo, voilà. Deux lits, deux places superposées à l'arrière. Bon, on est sur du haut de gamme chez Fond Vendôme. Vous pouvez voir les sommiers à lattes, des matelas épais et bien bien confortables. Chez Fond Vendôme, toujours la douche extérieure, petite douchette extérieure. À cet endroit-là, une petite bouteille de gaz. Donc chez Fond Vendôme, le gaz, en tout cas sur les derniers modèles, vous sert uniquement à cuisiner. Donc soute assez spacieuse. Ici, nous avons l'endroit justement où est installé le chauffage Trauma Gasoil. Et là, on a un petit peu de rangement. Voilà. De ce côté là donc le bidon d'Adeblue, cet endroit là peut vous servir à stocker une seconde bouteille de gaz éventuellement, ou à y mettre des outils, ce que vous voulez, ça c'est à vous de voir. Là, on peut voir le flexible pour le pommeau de douche extérieur, et là on a un élément qui sert à accrocher les vélos sur le porte-vélo extérieur. Ici, nous avons accès à la batterie. Voilà, donc on a là dessus deux batteries AGM, donc deux batteries gel sur ce modèle là deux batteries 120 ampères. Voilà au niveau de la soute. L'ancien propriétaire a équipé également ce véhicule de vide poche à cet endroit là donc bien évidemment ça restera sur le véhicule, et on a le même vide-poche également sur le lit de dessus. Je ne sais pas si vous le voyez là-haut. Voilà. Donc sur le lit supérieur, là, on peut apercevoir des éléments qui sont encore emballés. Ça, c'est donc le lit d'appoint. Lit d'appoint, c'est vraiment un lit pour adultes, hein, d'ailleurs, qui se fait dans la largeur du véhicule, sur la dinette. Voilà. Donc le matelas n'a jamais servi, hein. Le lit n'a jamais été fait à l'avant. Donc voilà, le véhicule sera livré avec... avec ce lit d'appoint. Au niveau des isolations des portes arrière, je l'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, mais c'est nécessaire d'en reparler aujourd'hui. Chez Fond Vendôme, on a les portes arrière qui sont isolées. Donc c'est pas le cas de tous les fourgons. Donc on a de la laine de verre à l'intérieur des panneaux, à l'arrière des portes, et également sur l'isolation intérieure du fourgon, vous allez avoir de la laine de verre dans tous les montants, sur toutes les parois.
en plus du polyester qui est thermoformé justement à l'usine. Donc là, en termes d'isolation, chez Fond Vendôme, on est vraiment au top. Et également pour l'entretien, parce que pour nettoyer le polyester, bah, ça se fait très facilement avec un petit coup d'éponge. Et vous verrez à l'intérieur, dans la cuisine, dans la cellule, vous verrez tout à l'heure qu'on a également le polyester qui court sur toutes les parois. Les petits joints que nous avons de ce côté-là, ça s'appelle des joints anti-friction. Et donc ces petits joints servent en fait à éviter les bruits de grincement des meubles quand vous roulez. Donc voilà, au niveau des finitions, on est au top chez Fond Vendôme. Allez, on va continuer le tour extérieur. Au-dessus, nous pouvons apercevoir la caméra de recul. Voilà pour la partie arrière. Du côté gauche, nous avons à cet endroit-là la vanne des eaux usées qui est bien accessible. Ici, les toilettes. À cet endroit-là, nous avons l'échappement du chauffage gasoil. Donc, c'est le Trauma D. Ici, la prise P17 pour brancher le véhicule en 220. Et de ce côté-là, le remplissage des eaux propres. Voilà. La petite trappe suivante, c'est donc pour remplir le gasoil. Avec justement ici de quoi remplir le réservoir en Adblue, puisque comme je vous l'ai dit, le véhicule est aux dernières normes Euro 6D avec l'Adblue. À cet endroit-là, l'ancien propriétaire a installé un système de sécurité pour éviter qu'on vous vole le bouchon de l'Adblue, qu'on mette à l'intérieur des choses qui n'ont rien à y faire. Voilà, c'est un petit élément de sécurité en plus. Voilà. Donc voilà pour la partie extérieure. Si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre. On va maintenant rentrer à l'intérieur du véhicule. Donc, voilà la porte latérale. Nous avons au-dessus, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, le store tulle. Et juste en dessous, on a la petite rampe de LED. Voilà, quand vous mangez à l'extérieur l'été, c'est bien pratique. Donc voilà ce que donne l'intérieur. On est sur du bleu et du gris clair, donc c'est super joli. Alors avant toute chose, vous pouvez apercevoir ici la moustiquaire de porte latérale. Voilà. Hop là. Bon, chez Fond Vendôme, je tiens à le souligner aussi, nous avons des qualités de matériaux qui sont haut de gamme, puisqu'on a du stratifié, qui, contrairement à la concurrence, en tout cas à beaucoup de leurs concurrents, qui proposent du mélaminé collé. Donc là, on a des boiseries qui tiennent dans le temps et qui sont bien solides. Ici, une petite poubelle qui a été installée par l'ancien propriétaire. Donc à votre guise, hein, elle est toute neuve, mais si ceux qui veulent l'enlever, ça peut s'enlever. Et je vous conseille de la laisser. Ici, on a une petite tablette qui peut servir de plan de travail pour cuisiner. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Donc voilà le joli intérieur. Alors, au-dessus, là, nous avons encore le rack. Donc, il y a des véhicules, les nouveaux véhicules sont proposés avec une cabine décaissée pour la plupart. Mais on a encore des véhicules qui ont ce fameux rack. Et puis, bah, écoutez, l'ancien propriétaire était bien content d'avoir ce rack-là, puisqu'on peut y mettre des manteaux ou y stocker tout un tas de choses. Ça, à vous de voir. Mais voilà, j'ai eu pas mal de clients qui ont eu ce rack, qui ensuite ont eu la cabine décaissée, hein, qui permet de dégager l'avant. C'est super sympathique, mais le rack a aussi des avantages au niveau du stockage. Donc on va commencer par la cabine avant et le porteur Fiat Ducato. Donc
Donc le véhicule, hein, comme je vous l'ai dit, est toute option. On a là-dessus une belle caméra de recul multimédia, compatible Apple et Android. Donc vous pouvez brancher votre téléphone dessus, vous mettre en kit main libre. Et on a un GPS spécial camping-car également sur ce modèle. Au niveau du volant, vous pouvez le voir, on a les options avec la commande au volant. Donc ça, c'est super pratique. La fameuse boîte automatique DFG9. Donc pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, cette boîte automatique, elle est vraiment superbe, très confortable, très souple. Et tous les utilisateurs la trouvent vraiment très très agréable. Nous avons également les petits contours chromés. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, si on le voit bien. À cet endroit-là, nous avons le support de téléphone qui est commun à tous les Fiat Ducato. Ici, de quoi mettre votre téléphone ou une tablette. Alors, le véhicule est en gamme évasion, mais nous avons quand même les stores remis sur ce modèle. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne avec les rideaux occultés à l'avant. Voilà, je vais vous glisser ça dans la vidéo. Si vous avez des questions sur la partie avant, vous n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait le tour. On va passer maintenant sur la partie dinette et salon. Donc je vais vous tourner les sièges et vous mettre un petit peu en place la table pour vous montrer ce que ça donne quand tout est déplié. On a quand même un salon qui est bien spacieux. Voilà ce que ça donne avec les sièges tournés à l'avant. Au-dessus de cette dinette, nous avons ici un petit placard. Enfin, je vous dis un petit placard, mais il est bien spacieux. Voilà. Ici, nous avons une télé 19 pouces de marque Teleco, puisque le véhicule est équipé d'une antenne satellite automatique. Bien sûr, des rideaux occultants sur toutes les baies, moustiquaires et occultation intégrale. Au niveau de la partie cuisine, donc nous avons un joli revêtement en verre à cet endroit-là. Donc ça, c'est Fond Vendôme, hein, je crois, les premiers à avoir proposé ce type de finition. Donc au niveau du nettoyage, bah, c'est super pratique. On a deux feux à gaz et nous avons un grand vasque de quoi faire de belles vaisselles avec un robinet assez haut, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a de quoi faire des vaisselles et faire circuler aisément des casseroles ou des poêles. Les anciens propriétaires ont équipé le véhicule d'un distributeur d'essuie-tout, comme vous pouvez le voir, et ici, d'éléments pour y stocker des épices ou de la vaisselle. Donc ça restera sur le véhicule. Hein. Donc voilà au niveau du feu et de l'évier. En dessous, nous avons, comme vous pouvez le voir, de grands tiroirs bien spacieux pour y mettre des casseroles et tout ce qu'il vous faut pour cuisiner. Ici, de quoi mettre les couverts. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire au niveau de l'espace. Sur la partie frigo. Alors, nous avons un frigo à compression. Voilà, donc il fonctionne uniquement sur l'électricité, sur le 220 et sur le 12 volts. Alors, je vais quand même vous expliquer le plus d'avoir un frigo à compression. C'est que déjà, nous n'avons pas les grilles extérieures d'aération qu'il y a communément sur les frigos Trimix. Donc au niveau de l'isolation, c'est un petit peu plus efficace puisque vous n'avez pas de rentrée d'air chaud ni de rentrée d'air froid. Et l'avantage aussi du frigo à compression, c'est qu'il fait vraiment du froid quand il fait très chaud. Voilà, vous pouvez aller dans les pays chauds, vous aurez encore des glaçons dans le freezer. Tandis que de temps en temps, le frigo Trimix peut peiner un petit peu. En dessous de ce frigo, nous avons du rangement. Je vais vous ouvrir le placard. Hop là. Donc là, il y a quand même de quoi mettre. Hein. Voilà. Si on suit juste derrière, nous avons ici également du rangement.
au-dessus, là aussi. Et puis également une petite penderie à cet endroit-là. Voilà. Donc voilà sur la partie frigo et placard du côté de la cuisine. On va maintenant rentrer dans la salle de bain. Donc voilà, on est dans un fourgon, mais comme vous pouvez le constater, on a une salle de bain qui est vraiment spacieuse. Donc sur ces modèles de fond Vendôme, nous n'avons plus en tout cas de rideau de douche. Le rideau de douche, le petit inconvénient, c'est qu'il peut coller aux jambes quand vous prenez votre douche, donc c'est pas très très agréable. Là, on est avec un rideau rigide en plexiglas. Donc c'est très simple. Voilà, au niveau de la douche. Donc même pour les gros gabarits, là, on peut prendre une douche vraiment de façon aisée. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, quand on était sur la partie extérieure, vous voyez, là, on a le fameux polyester qui court hein, sur toute la longueur du véhicule, hein, puisque là, on a également ce côté-là. Au-dessus de cette douche, un petit lanterneau. Donc ça aussi, pour l'aération, c'est top. Voilà. Donc, ici, le flexible pour le pommeau de douche. À cet endroit-là, messieurs, dames, nous avons le lavabo escamotable. Voilà. Et en dessous, nous avons les toilettes. Donc les toilettes qui pivotent. Et au-dessus du lavabo, également un petit rangement. Voilà. Au sujet de la porte de cette salle de bain, nous avons un rideau coulissant. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est plus pratique qu'une porte standard, puisque ça ne vous embête pas dans le couloir. Voilà. Donc voilà pour la partie salle de bain sanitaire. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer maintenant sur la partie arrière, sur la literie. On a vraiment de l'espace sur ce lit et nous avons le lit également à ce niveau-là. Donc je vous ai mis des photos que je vais vous greffer dans le montage vidéo. Voilà ce que ça donne là-haut. N'hésitez pas à me solliciter en fonction de votre profil et je vous dirai si le véhicule est adapté. Mais voilà sur la partie literie. Donc voilà le panneau de commande et à côté nous avons la commande du chauffage gasoil. Bon là ce qui s'affiche comme code erreur c'est le code S1, c'est pour nous signifier que le réservoir d'eau propre est vide. Voilà, qu'il est à 0%. Voilà. Donc voilà au niveau du tableau de commande. Alors je vais vous récapituler un petit peu les options, les accessoires de ce véhicule. On va faire une petite synthèse du modèle. Donc on est sur le modèle Leader Van Duo 2020.
sur un porteur Fiat Ducato en 140 chevaux avec la boîte automatique 9 rapports, la dernière boîte automatique, puisque l'année d'avant on était encore sur la boîte robotisée. Nous avons sur ce modèle les commandes au volant au-delà de la boîte de vitesse, la climatisation cabine, la caméra de recul avec le poste multimédia double DIN qui nous propose également un GPS spécial camping-car. Vous avez la possibilité donc de rentrer les dimensions du véhicule. Nous avons les rideaux occultants à l'avant, donc les stores Rémis sur toute la partie pare-brise et sur les portes latérales. Nous avons la moustiquaire de porte. Nous avons un panneau solaire de 120 watts sur le toit de ce fourgon. Également une antenne satellite automatique et une télé. Nous avons à l'arrière du véhicule un porte de vélo. Et nous avons également un store extérieur tulle sur la partie latérale extérieure. Voilà, normalement, je pense que j'ai rien oublié. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Lorsque le véhicule sera vendu, je le signifierai sur la vidéo. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me solliciter. Vous pouvez rentrer en contact avec moi via la page Facebook C2CC Chasseurs de Camping-Car, via cette page YouTube ou via la page Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.